Le problème ne se situe pas au niveau des profils Olomide. Le problème se situe au niveau de la portée de la chanson. C'est-à-dire quoi? Profils Olomide a réussi son cachet comme musicien. Dès 4 ans, 5 ans, moi j'ai posé la question à une fille de 6e année humanitaire de présentateur. Comment s'appelle le nom de chef de l'État, c'est Fatih. Il s'appelle Fatih. Il m'a dit qu'on va engager des bagots. Il s'appelle Fatih. Natunier, devise, un bon grand chose. Il y a une devise, non, c'est pas on répond. C'est-à-dire, civisme mais longue la victoire battue. Et la conception de la chanson, c'est pas l'UGF qui amène. Pour faire qu'on ait bien essayé le travail de l'UGF. Et il en a fait à sa manière. Donc, on ne peut pas condamner artistiquement le pauvre Kofi qui n'a fait qu'honorer les contrats. Relatif à son cachet, il est larmé. Dans mon composé de maman, il faut appeler ça mon baniance, ma bilingue, mon roboé. Il n'est pas laissé la chanter. Il y avait aussi mon grand frère, Félix Oiseau, quoi, qui avait chanté IGF. C'est-à-dire, les thèmes, il y avait même Karmapa, non? Il a aussi chanté IGF, il n'est pas le premier. C'est-à-dire, les questions devaient commencer à pleuvoir à partir de Félix, Karmapa. À un moment donné, l'IGF avait laissé les musiciens. Ah ben, d'accord, ça va, on va ça, maman, on va ça. Ils avaient chantage pour eux. Donc, le problème de la monstrueuse, ce n'est pas un problème de plateforme politique. C'est un problème national. Les gens qui meurent là-bas, Azamouta IDPS, Azamouta SID, Azamoutouya, Bundouya Congo, ils sont d'abord des Congolais. Il n'y a pas de problème de plateforme politique ici. C'est une volonté populaire exprimée qui doit être relayée par tous les Congolais, tous les patriotes. Donc ici, il n'y a même pas à parler SID qu'on sort. Le problème est qu'on y la MONUSCO est en train de jouer les doubles jeux contre la République. On a découvert ça. Rapport à MONUSCO, Tonko Mawana, il y a plus le rapport à la Nations Unies. Ils viennent à peine de confirmer que. Il y a vraiment une présence rwandaise dans les territoires qu'on a dans Mabélé à Congo. Il a donné des moyens pour que Bayem ait progressé. Est-ce que vraiment la question qu'il faut se poser, ça valait-il vraiment la peine que un service supposé être discret? Non, on a cité, on a cité, et puis, dans ce cas, on a un peu de 40% par militaire. Ça, c'est craché sur l'armée. Tiens, mais la babouche, on va dire que tu vas conserver la wenge dans mon cas. Et bien, tu as 40% par ça. Après, ça va faire des saisons en bas. Donc, nous allons booster la population qui est de l'Ibosso. Ils auront soutenu faire des saisons dans le Zembo Pentagone. On a eu un voyage à Adolphe Dominguez ou bien. Il y a un peu de temps, il y a un peu de soutenir l'armée. L'armée va soutenir l'armée patriotique. On dit mobilisation des Mamba Wenge. Il faut mobilisation des apprendre à Makambouya Est. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus ici Nakati Adamas Télé. Nous sommes heureux d'être avec vous dans ce nouveau numéro une fois de plus avec Maître Eric Mbadou. Nous allons parler encore de l'actualité ici Nakati à République démocratique du Congo. Comme d'habitude, nous avons les habitudes d'analyser les actualités ici dans la République démocratique du Congo. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massivement ici dans la Damas de le Maître Eric Mbadou n'est pas encore quelqu'un à présenter ici dans la Damas Télé. Cadre et communicateur, il y a Snark. Bongo Torobeta Masolo aussi, Naba Projection, il y a Kati, il y a Parti Nabango. Damas Télé, nous sommes dans les actualités. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner. Tokoy Bakobeta Masolo autour de la chanson nouvellement jetée par l'artiste Kofi Olomide, un grand artiste ici dans la Katia République démocratique du Congo. Il a pu donner les honneurs à UGF qui bat un travail et nous allons en parler de ça ici avec Maître Eric Mbadou. Également, nous allons parler d'un rapport Yaoni aujourd'hui des preuves. Ils ont dit que l'armée rwandaise, Rwanda, est impliquée dans l'agression dans le groupe Oyo. Il y a M23. Tokubeta Masolo, on a ici. Nakati Adamas Télé, Maître Eric Mbadou. Bonjour, maître. Bonjour, Boni. Kimi Ezali. La dernière fois, tout ça, l'émission. Je pense que ça va déjà vers 2 semaines. À la télévision, à Koumi Sama, on a fait six mots qui n'ont pas. Des réunions sur Ozoalibaku et Rolanda Bisso, au travers des réseaux sociaux, au travers des plateformes et Internet. On a dit que les gens sont en Est, ils ont été parce que les gens sont en parce que les gens sont en barbarie à Monisco et ici, dans le Congo.
on est solidaire avec vous. Les réunions surtout, je suis passé à présenter ma condoléance à ma famille biologique, Nabango. Au nom de toute la nation, peut-être Ali Simanabi, nous allons compatir contre la folie, contre le banditisme et la monisco dans l'Est. Et puis, nous avons fait ce mot, moi, je suis aimé Pascal Mongo Lokonda, autorité morale et parti SNARCO et Zali, Congrès national africain pour le réveil du Congo et Sika Zali. Nous avons fait surtout nous avons fait le mot de la SNARC, nous avons fait ce mot, nous avons fait le caméraman, nous avons fait l'équipe, nous avons fait le mot. Ok, un grand merci aussi à vous d'être avec nous dans ce plateau pour parler encore des actualités ici dans la République démocratique du Congo. Dès l'entrée des jeux, nous avons déjà parlé de la MONUSCO. Est-ce que vous êtes d'avis aussi que MONUSCO doit partir? Non. Je suis un peu aimé Pascal Mongo Lokonda, autorité morale et parti SNARC. Congrès national africain pour le réveil du Congo. Na kombo ya ba congolais nyo surtout na kombo ya ba nyo surtout bazaki victime ya barbarie ya MONUSCO la est du pays. Nous soutenons la voix du peuple. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Quand le peuple décide, il n'y a pas moyen de décider autrement. C'est l'expression de la population. Ils en ont marre à l'est du pays. Je l'avais dit l'autre fois dans l'émission na yo na ba émission belé na l'église na ba TV ba différentes chaînes. Je suis en train de le dire tout haut et clairement que ces gens de MONUSCO sont venus en mission de service ici. Ils n'aimeront jamais les Congo plus que les Congolais. Parce qu'on n'a jamais eu le nom de l'Abiso, le Gabiso Moko. Dans la Bible, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Trésor, il y a Moutouza Rabana, trésor, il y a Patrie. La MONUSCO, c'est un ensemble des États en mission. C'est-à-dire, les Ukrainiens, les Zali, les Gabonais, les Zali et consorts. Alors, quand ils viennent au Congo, ils viennent pour travailler, pour chercher l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se soucier autant comme les Congolais pour la Mambosée et l'Est. Donc, nous soutenons la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tout le monde a processé s'il y a rapatriement de MONUSCO, on a besoin de Malembe, Malembe. Dans l'entretemps, je suis en train de dire ça haut, qu'on a failli à un devoir, celui de consolider nos services de sécurité à l'interne. Et l'autre fauché, la MONUSCO a fait plus de 20 ans au Congo. On avait un problème connu. C'est-à-dire, tant qu'il fallait que les gouvernements, les différents gouvernements, les différents régimes, les Guinamboka, basent des précautions. Il y a qu'on stabiliser le service de sécurité à l'interne pour qu'un jour, si MONUSCO en équipe, tous à la maison, il y a qu'on s'assimer. Vous croyez qu'un militaire de la MONUSCO aimera le pays plus qu'un fardessé? Non, on en a marre. On a suivi les images, ils sont en train de tirer à bout portant aux pauvres paisibles Congolais, en train de revendiquer quelque chose de plein droit dans la Katamboka Nabango. On a suivi les images. Ça ne doit pas passer comme ça. J'interpelle les ministres de la Justice, j'interpelle les ministres des Droits humains, j'interpelle les ministres des Affaires étrangères. C'est triste que. Nabango, moi je suis de l'Union sacrée. Mais quand il faut tenir des raisonnements convenables, ça vaut la peine pour la patrie. On ne sent pas cet engouement. Ils ont été, au français, usage disproportionnel des armes. La MONUSCO ne peut pas tirer sur les policiers congolais, sur les paisibles et les prisonniers congolais. C'est une mission d'interface contre les mouvements, les groupes puisqu'ils armés et balouquent les populations. Donc, ministre de la Justice, ministre des Droits humains, ministre des Affaires étrangères, vous êtes responsable et tenu d'honorer par vos attributions les paisibles les Congolais au Bakoufi dans l'est du pays. Donc, dans le combat SNARC, dans le combat Mboka aimé Pascal Mongo Lokonda, aux alliés autorités morales, dans le combat Congolais, nous surtout, la MONUSCO doit obéir à la voix du peuple. Je demande au chef de l'État qui visiblement nous montre cette volonté-là de faire avancer la République, Azala, attentionner le désir du peuple. Il est là par rapport à un mandat ici des peuples. C'est-à-dire, si ces peuples-là ne veulent pas de quelque chose, il ne peut qu'adhérer. À tort ou à raison, il ne peut qu'adhérer. La voix du peuple, je le répète encore, c'est la voix de Dieu. Donc, MONUSCO, je pense que le gouvernement, il y a déjà des avancées dans l'essence de Robandako, poussé vers le départ en Abango. Faites ça proprement. Organisez les services de sécurité de l'État pour que si le rôle en Abango, il y a des défenseurs, il y a territoire de façon équitable.
Ok, ok. Et non, la cité, quand tu as dit, la canne, je suis en train de me faire un peu de temps. Oh, 581 000 ouais, il y a 40 000 militaires. Donc je demande ça aux autorités de la République. Et pour chuter, nous avons le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, on a critiqué, mais nous avons interpellé. Le patriotisme et le civisme est loin de toi, Batou. Nous sommes en classe civisme, c'est-à-dire salut au drapeau. Il y a mon amour sur ce point. Mais quand on va continuer, le drapeau est le même, le national, ma personne va armoirer en boca, ma personne va devise en boca. C'est un travail des ministères de sensibilisation. Mouyaya, en connivence dans le ministère de la Justice. Organiser le civisme dans les écoles. Nicolas Dossengakoutou, si vous ne serez pas en mesure de le faire, vous imposez l'école primaire, surtout pas comme un scout. Parce que le scoutisme, ils allient et éveillent l'esprit à patriotisme. Tu connais le scoutisme, non? Oui. Ils les ont rassautés. Donc c'est-à-dire. On doit prendre des mesures telles que, par exemple, école primaire, moi, la nuit, surtout à ce mais l'église catholique, c'est pas pour que la structure rouennaise allait en place. Non, vous n'allez pas laisser une charge nationale à l'église. L'église l'est fait pour ses fidèles. Mais la nation doit relayer le bleu rouennais, moi, non. C'est plus que c'est moi qui n'en coupe pas. Dans des 4 ans, 5 ans, moi, j'ai posé la question à une fille de 6e année humanitaire, auto-présentant. Comment s'appelle notre chef de l'État, Singa Fatih? Il s'appelle Fatih. Ah, maintenant pour engager des bagots, il s'appelle Fatih. Natouni est devise un bon dans ces années. Avez-vous devise non? T'es pas au répondre n'est. C'est-à-dire civisme est longué la mitoie bateau. Ma pasteur n'a l'église. Vous n'êtes pas obligé seulement de prêcher. C'est vrai que vous prêchez Jésus, vous prêchez, je sais pas moi, Allah, qui mange et tout comme ça. L'église, comment l'État doit s'imposer même dans les églises. Il faut pas dire, ne pas dire, inertité à ma bonza. La carte écrit. L'État s'impose à l'lobby, il faut 30 minutes de mobilisation patriotique en vis-à-vis de la pandémie. Et 10 heures au salon de Bakanyan. Chaque. Ok, au Kanye Matéa, au Kanye n'a laissé moi patriotisme de l'église. Parce que les gens ils ont régorgé Bakou. C'est là où les messages passent facilement. Les pasteurs sont écoutés. Mais vous sentez que l'inattention des autorités par rapport aux problèmes essentiels de la République, c'est remarquable. Ok, maître. D'accord, aux gens à Mamba Monusco, on doit respecter la voix du peuple Monusco, il faut qu'il y ait. Il faut basala responsable civilement y a bateau bakoufi na est wana que le ministère des affaires étrangères des droits humains justice en connivence à basala disposition pour que ces congolais là ne partent pas comme des brebis comme des moutons comme on a toujours dit d'habitude on tue les gens il y a pas de deuil national c'est vrai mais on aurait les fils de ces gens là ok donc on a signé des wana la bande qu'on a biso ya est bon le matin biso que à Kinshasa. Tout à l'heure, mobiliser toujours que tout ça pression au pouvoir pour que les locaux à Monusco électriques soient temporaires. Et si là, le problème est recouvré par Monusco. Mais vous êtes au pouvoir là. Bisso. Vous êtes dans la Union sacrée. Vous êtes dans l'Union sacrée. Vous êtes dans l'Union sacrée. Vous êtes communicateur. Il y a le Congrès national africain pour le réveil du Congo. C'est un parti de réveil. Vous êtes dans la partie politique. 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 Non. Vous connaissez les gens qui font ça ici dans le. Ok, tout le monde qui va députer, il y a un lieu sacré. On doit partir à rêver, c'est-à-dire, on réfléchit intellectuel. C'est pourquoi, au cas où on a eu. Mais il y a un lieu sacré, il y a point de non, les points de vue sont objectifs. Okay. L'union sacrée ne veut pas dire applaudir, là, il ne faut pas applaudir. Ok. On va appeler les rouges rouges, les bleus bleus. Voilà. Ok, c'est une bonne chose. Ouais. Tout le monde qui va partir à l'union sacrée, va s'enganaki, pour parler aussi de ces choses. Maintenant, vous aussi, étant que parti dans la Union sacrée, est-ce que Makambo Yoboko Salawana, est-ce que vous superflu ou Topendé Zali et Lokomoko Mozindo, Union sacrée Pendé et Télémeli Ango pour que aujourd'hui Monusco et Cannabis Sakanwekend? Non, le problème de la Monusco, ce n'est pas un problème de plateforme politique. C'est un problème national. Les gens qui meurent là-bas, Azamuta IDPS, Azamuta SID, Azamuta Yabundu Diakongo. Ils sont d'abord des Congolais. Il n'y a pas de problème de plateforme politique ici.
c'est une volonté populaire exprimée qui doit être relayée par tous les Congolais, tous les patriotes. Donc ici, il n'y a même pas à parler, si bien qu'on sort. Le problème est connu, la MONUSCO est en train de jouer les doubles jeux contre la République. On a découvert ça, rapport à MONUSCO, rapport à la Nations Unies. Mmh. Ils viennent à peine de confirmer qu'il y a vraiment une présence rwandaise dans les territoires dans Mabélé à Congo. Okay. Alors, bien que c'est venu en retard, et aujourd'hui c'est prouvé. Donc, c'est-à-dire, comme c'est prouvé, on doit mener deux options, trois options. Il y a l'option militaire. Il faut que Soudan ait fait un rapport de l'intérêt. Option diplomatique, tu retardes un rapport d'intérêt entre les États. La option spirituelle, tu retardes un rapport d'intérêt entre les États. Option spirituelle, nous allons revenir là-dessus, maître, sur les trois options relevées. Mais vous avez évoqué quelque chose ici par rapport à Mbongo ou Inge Ezoa qui n'a concert. Wana. Mais concert, il y a une mobilisation totale et attira qui le monde entier. Est-ce que le gouvernement est ce qui te mettre aussi les paquets pour Nayango? Il y a soutenu Fardé, c'est dans le Pentagone. Il y a un voyage d'Adolphe Dominguez ou bien il y a un peu de Didier Massé. Il y a un soutenu l'armée. L'armée va soutenir l'armée patriotique. Au moment d'une mobilisation, il faut une mobilisation pour la Makambouya Est. Ça doit mobiliser les gens, c'est-à-dire qu'il faut une mobilisation pour tout défendre. Bon, est-ce quand vous me dites que non, qu'est-ce que le concert de soutien? Concert de soutien, pour que vous puissiez nous donner un soutien, nous avons fait la moitié de la banane à l'Est pour nous soutenir un domolo qui a un sentiment dans la stade. Parce que la période où on a mis Kondong, on a mis Kopé là, entre M23 et l'armée, est-ce que c'est là qui était annulé le concert pour nous soucier à la banane qu'on a mis sur Kokouf? Non, c'est un concert sabotage, je l'ai dit à haute voix, c'est craché contre. Les morts de l'Est et consorts. Il y a des moments où il faut se divertir, il y a des moments où il faut se faire plaisir aussi. Mais il y a des dates stratégiques pour lesquelles on ne peut pas amener à des trucs comme ça. Ça s'est joué le 30 juin, non? On pouvait passer le 30 juin dans un état de concentration, de méditation et de compassion dans la bande de l'Est. Parce que Erwan et Inda, ils sont magas. Il fallait que les gens restent dans leur maison bien. Même s'il était question à concert, il y a Wengi Wana. Mais pas sous ce format-là. Pas sous ce format d'ambiance. Bon, ben, tiens, ouais, raconte à Jibalatagin. Non, ça, c'est pas bien. Ça dit, mais nous, on est à calme ici. Hein. Il y a des gens, dernièrement, hier j'étais dans un taxi bus. Dans une information top Congo, on dit, on rapporte que, bah, rebelle, bah, bomi, maman, moko, boé, bah, tiens, au sous-nous, la moi, on est dans Moutouka. J'ai dit, il y a des gens qui ont besoin de l'école, mais Moutouka, mais c'est Bimanga. Bobomi maman, bonjour mon abosunol na mutuka. Et maintenant il y a des milliers de cas comme ça, des gens qui n'ont pas les secours de la République. Alors si vous voulez vous le 30 juin, jour des affaires, mais les 30 juin faut dans mon ara, bah j'ai besoin de la sabiso, bah image bah armée, bah c'est sur la TV, bah blur, ils ont stimulé. Mais le problème c'est ça aujourd'hui, tout le monde a Félix Azo Kende na Kosili sa mandat na il y a 5 ans, mais attends jour mon côté. Moni défilé salami les 30 juin pendant tout le temps où Félix a sali na pouvoir ici na République démocratique du Congo a sali organisation à côté d'organiser défilé les 30 juin armé les cas comme tout ça qui n'a habitude dans le passé. On n'a pas vu ça, mais vous êtes dans l'Union sacrée. Est-ce que beaucoup vont dater aussi de partis à l'Union sacrée parler des questions telles que ça? Non, le problème, ce n'est pas les défilés. Les défilés ne vont pas résoudre les problèmes de guerre. Mais tu viens d'évoquer ça, maître. Non, c'est tellement important. Ils ont payé ça, moi, image. Il y avait une marche générale ici à Kinshasa, des Fardessé, non? Ça bougeait la vie de Kinshasa. Le Fardessé, pour montrer que tout est mis à Bitumba. Le problème, ce n'est pas les défilés. On sait lire dans les chefs de l'État ce souci-là, de faire avancer les choses. On sait lire ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il doit avoir un accompagnement bien. Des gens comme, des gens sérieux, des gens crédibles, des gens capables de défendre la nation et non les personnes. Des gens qui ne viennent pas pour les intérêts de leurs proches. Les gens qui ne volent pas l'argent de l'État pour mettre dans leur parti politique, pour se faire des tapages inutiles. Et des gens comme ça, il y en a. Il y en a, s'ils fouillent bien, il y en a. Je ne suis pas en train de faire la publicité, déjà moi je n'aime pas ça. Des gens comme Aimé Pascal Mongolokonda, l'autorité morale du parti ici. Il n'a même pas un seul franc congolais de l'État dans son histoire de parti politique ici. Des gens qui sont propres, il y en a. Et ils prêts à servir la nation. C'est-à-dire, Mukonzamboka, il faut s'attentionner à Batouana. Au lieu de laisser de l'espace à Batouana, il y a le lobe à Jusser.
ils viennent pour renfler leurs poches, ils viennent pour... Non, on ne gère pas la République avec des gens comme ça. Il y a des gens intègres, il y a des gens dignes, il y a des gens auprès de qui le chef peut faire confiance et les choses vont marcher. Donc, au ligne des présidents, c'est ce qu'il y a comme une hypothèse. Il y a Kabila, sénateur en vie. À un moment donné, il avait dit, si j'avais ne fût-ce que 15 bons collaborateurs, au ligne des facial, il a nommé un chef de l'État. Okay. Donc, toi bien, Bazali, Tozali, ton ami Longolade, Tozali, tu es capable de resservir beaucoup ça, comme ça. Ma bourre va caisser à l'État. Et des gens comme, je venais de dire, mon autorité morale, aimé Pascal Mongolokonda, okay. Une personne propre et qui n'a pas de tâches de la République, en train de les suivre sur les dos. Ok, revenons sur Monesco. Bon, on ne sait pas. Est-ce que Monesco, aujourd'hui, tout on y coupé sa rapport, aujourd'hui, confirmant que l'armée rwandaise est en Akati, il y a territoire. Il y a la République démocratique du Congo. Okay. Est-ce que ça, à cause de la pression aujourd'hui, Monesco est aussi bien, parce que je ne sais pas, est-ce qu'on peut affirmer que Monesco a eu rapport Wana maintenant? Tout Monesco a eu un rapport Wana Utakala. Est-ce que ça, à cause de la pression aujourd'hui, il y a départ, il y a Monesco dans la République démocratique du Congo, ou c'est réellement une chose aujourd'hui, on a eu un constant dans le Congo? Non, les Nations Unies viennent de relayer la population congolaise que l'armée rwandaise se trouve effectivement sur les territoires congolais. Donc, ce qui voudrait dire qu'on doit prendre des dispositions en tant qu'État souverain pour chasser cette armée de gré ou de force de notre territoire. On va revenir sur les trois piliers là. Les rapports de l'ONU, ça vient renforcer la solidarité nationale, ça vient renforcer l'idée d'une complicité entre la Monusco et les Rwanda, ça vient renforcer l'idée de manque de respect international à Rwanda vis-à-vis du Congo. Alors nous, on va s'engager dans trois phases. Option militaire, les top des options, les militaires. Au Bengala, Bango, Libanda, Mboka, l'option c'est le pouvoir militaire. Le deuxième top des options, c'est l'option diplomatique. Voir dans quelle mesure équilibrer les intérêts entre nos deux populations, nos deux États. Et si ça marche dans le sens des avantagés, pour Nabiso, on se retire de tout contact diplomatique. Et puis, l'option spirituelle, nous, on a qui manque au natif de la RDC. Les Bissimbi vont défendre les intérêts de la République. La République démocratique du Congo, avec son gouvernement, Bazala qui déjà mis au clair qu'il y avait la présence rwandaise sur notre territoire. Ok. Mais on se pose la question, ambassadeur y a Rwanda, Azo Salanini, nakati la République démocratique du Congo. Non, nous sommes en matière de relations internationales. Les décisions ne se prennent pas à la vaille qui vaille. En matière de rapports internationaux, s'il faut dire ça comme ça, on ne prend pas des décisions pour les plaisirs de prendre. Il y a beaucoup d'accords sous-régionaux. Oui, maître, il y a des rapports diplomatiques et des relations diplomatiques. Donc, la RDC doit savoir que dois-je faire par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui avec les Rwandais. La RDC doit faire en premier, c'est de chasser militairement les Rwandais. Organiser, réveiller la population qui nous sommes agressés, comme c'était le cas à l'époque il y a Kabila le père. Organiser l'effort de guerre, recruter des jeunes volontaires qui vont défendre la patrie, leur doter des moyens, et puis on va chasser ces petits Rwanda de tout ce qu'ils font comme caprice et bêtises de l'autre côté. Ok, un grand merci pour ces éclaircissements. Et parlons maintenant de cet artiste, bien Kofi Olomide. Abimisi Tubiasika, Ligablo, il exalte un peu l'UGF avec le travail qu'abat aujourd'hui l'inspection générale de finances. Maître, je sais que vous connaissez très bien Kofi Olomide. Non, c'est-à-dire que les problèmes ne se situent pas au niveau de Kofi Olomide. Les problèmes se situent au niveau de la portée de la chanson. C'est-à-dire quoi? Kofi Olomide a réussi son cachet comme musicien. Bengie va passer caché na un bon. C'est le son de Mosir. IGF, voilà quoi. Et la conception de la chanson, ce n'est pas l'IGF qui amène. Kofi connaît bien le travail de l'IGF. Et il en a fait à sa manière. Donc on ne peut pas condamner artistiquement le pauvre Kofi qui n'a fait qu'honorer les contrats relatifs à son cachet. Il est là,
Tant qu'on composait des mamans, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il n'est pas laissé la chanter. Il y avait aussi mon grand frère, Félix Oise, quoi, qui avait chanté IGF. C'est-à-dire, les thèmes, il y avait même Karmapa, non? Qui a aussi chanté IGF, il n'est pas le premier. C'est-à-dire, les questions devaient commencer à pleuvoir à partir de Félix, Karmapa. À un moment donné, l'IGF avait reçu les musiciens, il a donné des moyens pour que Bayem Bayem Bayem. Est-ce que vraiment la question qu'il faut se poser, ça valait-il vraiment la peine que un service supposé être discret. Ils ont un chantage pour eux. Na Congo, ba ma ramso sala ma ramboko yo. Donc ils nous voient avec le romo boy. Somona IGF ya Guga na sala onzem. Donc ben IGF en France, Daniel Day et Belion. C'est-à-dire, c'est triste. L'IGF c'est un service accompagnateur des parquets, des tribunaux et consorts. Normalement, il devait être revêtu d'un caractère discret. Discret, c'est ça. Discret. Discret. On ne peut pas commencer à faire des chantages, des chansons, des animations, des trucs autour de la personne qui l'anime. Même par rapport, Naye, ça ne devait pas être publié. Non, les rapports peuvent être connus des gens, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les canaux, on n'a pas besoin, l'IGF n'a pas besoin des chansons. Il n'a pas besoin de comédiens pour accompagner. Lui a besoin d'un effectif bien formé pour procéder aux audits dans des entreprises publiques, des institutions publiques. C'est-à-dire, il doit plus s'attentionner à l'hôtel, à l'hôtel, à l'inspecteur, il y a une nouveauté actuelle, il y a monde. C'est-à-dire, il faut faire la page. Bon, je ne suis pas un musicien, ce n'est pas mauvais, mais bon, il faut rendre l'inspecteur avec une formation, l'inspecteur avec la OADA, l'inspecteur avec la nouvelle méthode de contrôle d'audit. C'est comme ça que c'est devait aller. C'est-à-dire qu'il devait se vanter. Aujourd'hui, tout ça, là, tout comme il y a 40 experts, il y a des inspecteurs qui ont une formation, par exemple, en Chine, ou aux États-Unis, en France. C'est-à-dire c'est comme ça. Mettre des structures capables de bloquer ces voleurs-là de la République qui détourne la République. Kofi a chanté. Ça dérange quoi dans les têtes des gens qui détournent de l'argent? C'est quoi, Mboko? Bon, question juste de curiosité, maître. C'est quoi, Mbongo, il y a caché, il y a Kofi, il y a des gens qui sont musiciens. Et où t'as quoi? Oui, c'est IGF. Il faut des fonctionnements. Il faut des fonctionnements, il y a une formation, il y a un bourrou, il y a un wapi, il y a un wapi, il y a un wapi, il y a un audit. Et quand on a Kofi, il y a un wapi, il y a un Ouais, sacré ma solo ngo bobé tango bien té. Oh, bézandé. Ma solo boende fo bobé takaté. Non, tu es na message. Non. Chacun sera responsable de ses actes. Le peuple nous observe, non? Je sais pas, mais ça nous aurait 5 ans. Vous allez une autre chose ici dé. Ça là, il y a des micro ba tozo ba ke ono. Je souviens un homme politique en train de dire que au Monisco faut ça la pour la sécuriser l'élection. Donc il y a déjà que non 80% pour les babaé. C'est-à-dire, quand on pose des actes, on est redevable auprès de la population et on sera sanctionné par la population. Bon, moi, en 2023, ben, bon, moi, je pensais. Moi, je pensais. Que... Je serai voté sérieusement. Maître Eric Bad. Ok, nous poursuivons notre conversation. L'Isolon Abisso, na Maître Eric Mbadou. Maître Eric, tant que vous avez mis autour, il y a chef de l'État. Union sacrée. Nde bongo ba benga kabino. Et ça pour na kosunga mokonza mboka asala malamuti. Ba to bosunga mokonza mboka za ba to bazo réfléchir lokola bande ko na biso bande ko ya snack. Congrès national africain pour le réveil du Congo encadré par mon mboka Aimé Pascal Mongo Lokonda. Des gens en train de réfléchir autour de la République. Yo monna zo tergiverser na zo beta monopole mon ba République. La discussion de défis que tu prépares déjà à l'interne na parti, ton prépara ba rapport na biso soumettre à qui de droit. Pour tout faire évoluer. Autour du chef, il y a des profiteurs, des gens qui n'ont jamais travaillé, des gens qui n'ont pas eu la chance de gérer. Bah, bon. Évidemment, il y a les coûts de la vie, bah, c'est comme ça, la vie est à la rango. Mais, il se retrouve là. Donc, bah, toi, entre guillemets, tu vois, tu vas bien dans la justice. Bah, ça, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais, la population constatant déjà. Non, c'est pas les sangs, c'est-à-dire que la population dans l'ensemble. Kaboun fait partie de la population, c'est-à-dire que nous avons un lobby, on a l'équipe de l'équipe surtout. C'est à l'équité, ma lobby de ma camarade. Alors, le point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des gens que le chef de l'État doit mettre loin de lui pour qu'il fragilise volonté de l'État au bon sambo. Il y a des gens aussi au chef de l'État, il faut bien la peine de l'État.
je reviens encore sur les moi la mboka aimé Pascal Mongolokonda. Je suis pas en train de faire sa publicité, mais c'est une personne propre et d'une probité telle que son constaté peut mener wana. Alors on m'a dit que ça l'état de pouvoir financer parti politique n'est pas ça manquer la liberté. OK, c'est une bonne chose, le chef a besoin des gens autour de lui. Maître Azako évoquer ici, maître, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer? Le dernier mot, c'est un ANER, Agence nationale des renseignements. Ce moyen, Zali Bokangi Ngaï, vous avez un cachot. Vous avez présenté un projet où nous avons la TV. Projet sur réduction du chômage. Projet sur développement de l'agriculture dans le cannabis. Donc nous avons la bakonza mboka pour que ba projet nazana ngo par rapport ya réduction du chômage et salama. Merci na bande ko nyoso balandi sur na libanda mboka. Merci na ba obo balandi sur na kasa mboka. Na pesi merci na c'est de Monzale. La salle de fête a motira na matete et si que zalara sonida. Il y a une perception espace pour vous la possibilité de faire l'émission. Donc, ma mariage, ma retraite de Dei, il n'y a pas de problème. Merci à Didier Nkungi, le service à notariat. Sur notre temps, on va trouver ça. On va soutenir l'émission tant que le Caruana. Merci à JP Malangwa, le soutenir surtout à Bissot. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à vos journalistes Ndengoye. Bande de service ANER, Agence nationale des renseignements, nous avons eu un peu de temps pour nous faire la question, nous avons eu un peu de temps pour nous faire la question. Le ministre est là pour nous faire la question. Il faut booster pour nous faire le projet. Nous avons projeté la marche pour nous faire la chômage. Dans le Congo, nous avons eu la chômage, c'est vrai ou faux? La chômage est là pour que l'État soit là pour nous. Nous sommes en train d'organiser ça pour que tout le monde soit là. Dans le ministère, il y a travail pour l'Union sociale, parce que tout le monde dit un ministre à Zamoya Polala. Dans mon cours, c'est pour la construction de la SNARC, Congrès national africain pour le réveil du Congo. Et quand je suis là, Aimé Pascal Mongolokonda et Sika Zali, je suis là, je suis là, communicateur, je suis là, toujours sur le terrain, pour mobiliser la population, pour interpeller la population dans l'éveil patriotique. Pour la côté, mais la babouzo va être ma concert à Wengé dans Moka Oyo, il y a 40% de ça, va faire ça, va faire des César Mbassou qui est le roi de la Massoute. Donc, tous allés là pour booster la population qui est de Liboso. Et nous avons un peu de temps pour ça. En tout cas, vraiment, chef de l'État, tu as comme moi, tu as réalisation. Moi, comme moi, je chante malem. Moi, je suis comme moi, je chante. L'homme, il a dit, merci à l'ordination cousine, il a dit, Nodasa, la campus. Dans ce qui est monté, il y a des gens qui sont là. Il y a des boulots, ils disent non. En tout cas, les travaux, ils sont là. Malamou. Zéro trou, ça va. Zéro trou, tout le monde dans le bleu, qui est simbité. Mais on sent quand même cette volonté-là, hein, de façon vraiment répréhensive. Donc, je vous dis vraiment, tout continue à être là. Et là, on sait que l'infraction à détournement, pour ça, il y a une commission à réforme à droit congolais. Il y a la peine, il y a des gens qui sont là. Au détournement, il faut comme une pendaison publique. Au détournement, il faut mettre un stade de martyrs. La mise sur les Congolais. Au moment où il y a un détournement, il faut mettre un stade de jours et aussi la mort. Dans la Sengi, c'est un juriste. La Sengi, c'est une façon de parler. La Sengi, dans la commission réforme au droit congolais, il faut amender la répression de cette façon de détournement. Parce que il y a à la base, il y a un ramené toujours vivre dans le détournement, corruption, hein? Détournement de la corruption, c'est-à-dire que l'on a et enfoncé le son assez. Alors, nous avons le souci de la Kondamboka, pour envisager le projet de la Kondamboka, on va projeter Bélène Léko. Tout ça, la bénédiction. Il faut tout ça là. Caisse nationale de remboursement des fonds détournés. Caisse nationale de remboursement des fonds détournés. Oh, nous sommes tous les détournés de la Kondamboka, il y a un moment là,
à question que ça monte la caisse ouana et puis bah juriste bah rosalawana bah zo encadrer bah procéder. Te rebête à ma soeur. On a beaucoup de gens libres qui méritent seulement la prison. Ok. Merci beaucoup. Un grand merci à vous tous au Bolandé Bisso ici Nakati Adamas Télé. Nous vous demandons de partout vous êtes de vous abonner massivement ici Nakati Adamas Télé. Un grand merci à Shadrack Mulumba qui était derrière la caméra. Un grand merci à Teddy Timba. Molandi Munene, Yadamas Télé. Un grand merci aussi à Claudia Ndouzi. Dipasa Teddy Timba. Mapasa Yabando Simao. Nous disons un grand merci à Bedri Lukabo et Foyi Kipela. Yannick Mbadou, sans oublier Glody Mozo. Gérard Mukimba Nakata Paris. Binonde Bossa la Bisotozala. Bossa abonné massivement ici Nakata Adamas Télé. Bye. Bye.